Hey yo tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode des Ruines de Limis, le DLC du donjon de Nahalbuk. Alors la dernière fois on avait fait une partie de Blood Bowl contre des trolls. Ça s'est très bien passé. Ils avaient surtout beaucoup de vie mais rien d'extraordinaire en plus, hein. J'ai juste tapé dessus très fort. Donc j'ai décidé de parcourir un peu la map du DLC. Et le truc, enfin le problème, alors je sais pas si c'est un réel problème, mais je déclenche des combats aléatoires et je récolte des objets de quête. Sauf que j'ai pas les quêtes en question, alors j'espère que ça va pas me bugger les quêtes, on verra bien, peu importe, de toute façon je m'en fous un peu. Du coup on va continuer. On va continuer. J'avoue ça manque un peu de poney. J'avoue ça manque de poney, ça manque de loot. Alors sans transition, hein, très clairement, je reprends juste derrière le combat. Et apparemment on peut descendre vers les souterrains. D'accord. D'accord. Ça m'emmerde de pas avoir de... de quête en vrai. C'est ça le truc. On va sortir. Donc je sais qu'il y a des souterrains ici du coup. Je sais absolument pas si dehors j'ai fait tout. Toutes les quêtes. T'es pas mon chef, clampin boiteux. D'accord, donc là il n'y a rien. Ah, salut les gars. Je peux passer par là ? Sur du granit. Apparemment plus lourd, oui. Mais ça dure plus longtemps. Putain, des cartes sur du granit. Y a-t-il des quêtes ? Non, pas de quêtes. Rien. Je sais pas, moi je demande. Hein. D'accord, je suis ici. Du coup, ce que je peux faire, c'est aller dans le camp des nécromanciens. Puis regarder ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un truc ici déjà? Ah, il y a un truc là. Apparemment, je l'ai fait. Ok. Enfin, je l'ai fait non d'ailleurs, mais je peux pas parler à ce truc là, bizarre. Pas aller là. Là, il y a des gens. Salut à tous. Là, il y a un puits bizarre. Le puits au souhait. Oh. D'accord. Faudrait que j'aille voir ça, tiens. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Certes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter. Grâce à la cheminée. Non, je peux... Ouais, ok. Poudre de cheminette. Voilà. Téléport. Parfait. Alors, ensuite, faut que je remonte. Là. Faut que je fasse quand même attention de pas prendre un piège dans la gueule. Ok, donc là c'était le fameux chiotte. T'aurais dû compter les marches, putain. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Je me demande si c'est bien prudent de tourner toutes les statues partout. J'avoue. J'aurais dû toucher à mon cul. N'empêche, dans la région, c'est des obsédés de la statue sur pivot. C'est un truc de malade à mettre en place, vu le poids des pierres à mettre en œuvre et les mécanismes à roulement pour pas que ça coince. Fascinant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il faut rentabiliser les assets du jeu. Ouais, j'avoue. Excellent. Ah, mais du coup, j'ai débloqué des trucs, vite. Oh, mais j'ai débloqué... Oh. Hey. Victor Schellenstein. Yo. Quel beau biceps d'ogre. Peut-être qu'ils auraient pu convenir. Avec l'arrobage d'un lac,
Katunga Boss. Il demande ce que vous lui voulez. Il n'aime pas trop les fantômes. Forcément, ça ne se mange pas. Désolé, je ne me suis pas présenté. Je suis le docteur Victor Schellenstein. Schellenstein. Vous étiez plutôt, non ? Peste, oui, ne m'en parlez pas. J'ai été tué par ma propre création. J'étais un chirurgicien renommé. Encore une spécialité magique moisie, comme le pharmagicien. Pas du tout. Les pharmagiciens sont des charlatans. Moi, je mène la médecine dans ses limites magiques. Je suis parvenu à créer un être vivant à partir de membres morts. Là, oh, parfait. C'est une bien sordide et maléfique besogne que de zouer avec des morts en morceaux. Non, vous ne comprenez pas. J'ai créé un être vivant. Je l'ai fait. J'ai produit un troll parfaitement vivant à partir de morceaux de troll. C'est juste qu'il m'a tué. Ah merde. C'était Fuck. Juste un troll. Il a crié Schlagruck et m'a Schlagruck. C'est solide et il s'est enfui, hélas. Bien. Fallait lui filer une elfe à bouffer à la place. N'importe quoi. Et pourquoi vous êtes triste qu'il soit parti? Parce qu'il est incomplet et instable. Et je n'avais pas terminé les rituels qui devaient le solidifier. Il a dû tomber en morceaux maintenant, le pauvre, hélas. Un troll en pièces détachées, c'est moins dangereux, en fait. Si je pouvais rassembler les morceaux, j'arriverais par-delà la mort à terminer mon œuvre de vie. Mais je suis maudit et coincé dans cette fichue taverne. Fuck. Quelle tristesse dans l'inachevé. Celui-là, il a vraiment des frelons dans le ciboulot. Aidez-moi, et vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Si vous m'amenez les morceaux de ma créature, des richesses immenses viendront en récompense. Oh ! Quel fantôme sympathique ! Et d'une parfaite santé mentale ! Mais tu disais qu'il était fou ! Ah là là, n'écoutez pas ! Elle est trop méchante et vulgaire ! Et donc, au sujet de votre or ? Ramenez sa tête, son torse, ses bras et ses jambes, et nous en reparlerons. Encore tête, torse, bras, jambes. Okay. Enfin, au point où on en est. Il dit qu'il n'aime pas trop le troll. C'est coriace et filandreux, ça laisse des morceaux entre ses molaires. C'est vraiment une langue elliptique. Tout est dans l'intonation. Si certains morceaux sont trop abîmés, n'hésitez pas à en découper de nouveau sur un troll vivant. Oh, j'ai une quête secondaire. Quoi? Ah mais attendez, j'ai la tête et les bras. Non? Attendez. Non, j'ai pas la tête. Attends, quoi? J'ai deux morceaux sur quatre? Non. Attendez. Attendez. Moi, je veux cette quête-là. Non, ta gueule. Quête. Ah non, j'ai les jambes et l'estomac. D'accord. Ok. Alors il fait quoi le... Les ombres sont propices au crime. Mais on peut aussi se cogner dans l'obscurité. Oh, je peux me reposer pour 400 balles. Ça fait un peu plein quand même. Qu'est-ce qu'il a le bougre? Putain, il a de la... il a de la potion. Est-ce que j'en ai fort besoin? Oui. J'en ai plus que 5. Je vais en acheter 5. Lol. Par contre, si, y a un truc que j'ai besoin, putain, c'est des bombes. Ah, mais il a que des bombes à bière. Putain, mais quel sac. Bon. Du coup, vite fait, je vais faire ça et puis vite. Parce que je crois que j'ai utilisé des bombes en vrai. Attention, Amélie. Mon cœur est un livre. J'ai des noisettes pour les écureuils. Bah, pas tant que ça, en vrai. Si ça sent, c'est mes bottes. Ah, il y a que lui qui a utilisé toutes ces bombes, lol. Des bombes. C'est quoi ça? Ah non, mais ça c'est des objets de quête à tous les coups encore. Les bombes araignées, on s'en bat un peu lec. Sont où les patients? Les patients? Madame? J'ai des patients. Mais genre des grosses potions. Ah voilà. Potions. Une bombe poulet. Non, peut-être pas quand même. Faut pas abuser. Là, j'ai un torse de troll. Alors, du coup, le torse... d'accord. Ah, ok. Je peux le geler. Je peux prendre une bombe gelée. Au pire. Ah ben voilà, si, non, mais c'est ça, jambes et torse. Ah, ben je les ai où, les jambes? Je me rappelle plus. Ah, oh, d'accord, peut-être. Alors là. Je me rappelle absolument plus où j'ai eu les jambes. Bah du coup le torse c'était dans l'épisode d'avant du coup.
La tête et les bras. J'ai pas vu un truc là. Non, là-bas. Ah bah voilà, activé. Oula. C'est interminable tous ces couloirs. Putain, j'avoue, c'est interminable tous ces fucking couloirs. Ça va où ça? Les souterrains encore. D'accord. Ok. Inspecter le puits. On va faire ça. Vous entendez le murmure de l'eau du puits? Voilà qu'elle entend des voix, cette folle dingue. C'est parce que mes oreilles ne sont pas cimentées par la crasse. Ah, ça c'est fait. En tout cas, très faible. J'entends à peine. Je vais essayer de monter le son. Désolé. Matériel maudit à la noix. Ha! Je le savais! Allons bon, un puits qui parle. Pas du tout. Je suis une source miraculeuse. Donnez une offrande et recevez tout ce que votre cœur désire. Comment ça pue l'arnaque? J'avoue. Encore un truc pour racketter les honnêtes nains. Moi, je jette une pièce pour faire un vœu. Et plouf! Hé! Hey, non! Ça viendra en déduction de ta part. Vous vous moquez de moi? Mais pas du tout. C'est comme ça qu'on fait dans la forêt de Schlipak. Malheureuse, mais l'or ne vaut plus rien. Avec tout ce que les aventuriers brassent dans les donjons, il en faudrait des caisses pour que je concède un vœu. Oh la vache. Il faut que l'offrande vale quelque chose. Nous ne sommes pas très enfants en ce moment. Est-ce qu'un objet peut convenir? Sur le principe, oui. Mais n'essayez pas de me refiler des fonds de poubelles avariés. Et pourquoi pas l'amulette? Ah merde, objet perdu. Pièce d'or. Putain, quel enculé. Putain, j'ai perdu une pièce d'or. Bon, on s'occupera du puits un peu plus tard, peut-être après, dans un prochain épisode. On va déjà s'occuper de ça. Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ou est-ce qu'on passe notre chemin? Bon, vas-y, on va la tenter. Pourquoi pas? Allons-y. Parfois je suis fort, parfois je suis faible. Mais je connais toutes les langues sans jamais les avoir apprises. Qui suis-je? Un dictionnaire? Du jambon. L'écho. Un sorcier. Ouais, un écho. Un écho, il peut être fort, faible. Et il connaît toutes les langues parce que bah il fait un écho. C'est l'écho. L'écho parle toutes les langues et il peut être fort ou faible. Ah, facile. J'ai la tête. Une tête de troll avec des sutures et une face de crétin. Chez les trolls, la tête n'est pas forcément un organe vital. Mais alors c'est quoi qui est vital? L'estomac. À la différence des ogres, les trolls ne connaissent pas la poésie. Ah. Bon, j'ai la tête. Putain, il me manque les bras, du coup. Il me manque les bras. Apparemment, ça me montre là-bas. Merde. Attends, on va faire le tour par là. Ces couloirs sombres pourraient bien sceller notre perte. Ah non, mais ça me montre le type, en fait. Oh, l'arnaque. Putain, il me manque les bras, ils sont où? Dans le puits? Non, je vais reparler au puits, du coup. J'aurais oublié une fontaine où? Merde. À tous les coups, c'est le puits, non? Qui me donne la dernière... Une corde à un œuf. Merde. Faire un don. Fuck. Oh le con. Bah je sais pas. J'ai dû vendre un objet de quête à tous les coups. Je vais aller voir le mec. Il a peut-être l'objet de quête. Ah, l'arnaque! Qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur pour le puits? Est-ce que tu vendrais pas un objet de quête, toi?
Non. Et non, malheureusement, il ne vend pas d'objets. Il y aurait quoi dans les souterrains? C'est peut-être dans les souterrains, en vrai. Je vais aller voir les souterrains. Je pense que j'ai tout vu, tout fait. Il me semble. Oh. J'ai déjà visité ici ou quoi? Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Apparemment, j'ai déjà pas mal visité. Bah ouais, apparemment j'ai visité. Ah là, c'est là où j'ai fait le combat avec le gaz. Non, bah, j'ai visité, là. Tiens, non, les souterrains, c'est fait. Je vais me re-téléporter avec la cheminée si ça fonctionne dans l'autre sens. Donc là, ça c'est fait. J'espère que j'ai pas vendu. Normalement, on peut pas vendre les objets de quête, ça m'étonnerait. Ouais, c'est bon, on peut se re-téléporter dans l'autre sens. J'avais vendu des trucs à lui, j'espère que j'ai rien vendu d'important. Ouais, ouais. Alors attends. Non. Non. Bop. Non. Peut-être ça. Résultat aléatoire d'un croisement des fluves. Ouais. Poupée sans tête. Non, bah je sais pas. Il a l'air de rien vendre d'extraordinaire. Ah, est-ce qu'il faut lui donner un truc qui vaut la blinde ? Chier. Est-ce que je le rachète? Ah, c'est cher, et oh. Ouais, tant pis. Tant pis. Allez, on se magne, je veux de la thune. Ouais, deux secondes. Rome n'a pas besoin de carte. Ok. Là, du coup, si je vais là... Désolé, hein, je tourne un peu en rond, peut-être, mais... J'essaye d'être certain que j'ai rien oublié. Pas un truc, là? Non. Là, il y a la bibliothèque, mais je dois pas avoir tout, il me semble. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, je peux pas récupérer ça, c'est emmerdant. J'ai dû oublier un truc, hein, c'est pas possible. Euh...
J'ai dû oublier quelque chose. Je me demande si on écrira des chansons sur mes exploits, ou même des livres. Ah merde, je peux pas passer là. Oh. Donc là, c'est pour aller, ouais, la quête principale. Il n'y a rien d'autre. Non. Ok. Du coup, je sais pas. Il faudrait peut-être que j'aille dans les souterrains. Mais dans les souterrains, là où j'ai fait le combat contre les trolls. Parce qu'il y a deux entrées de souterrains. Est-ce que c'est la même? On va tester. Hein. Désolé, hein, ça prend un peu de temps, mais je teste. C'est long ce donjon, les nains sont endurants, mais là c'est long comme un jour sans bière. Putain, j'avoue quoi. C'est long comme un jour sans bière. Non. Vas-y, on va aller là. Comme c'était pas la même entrée, il me semble. Putain, il manque les bras. Où sont les bras? Il me manque l'objet à donner au puits. Fait chier, putain. Je sais pas quoi lui donner, en vrai. Ah, ça me dit rien ici déjà. Oui, oui, vas-y. Ouais, ça me dit rien du tout là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que je suis, putain? Attendez, on va aller là-bas déjà. Mais putain, je suis où? Là, il y a une porte. Ah! Bonjour! Ah, d'accord! Ok. Ça pue un peu là, non? À l'aventure, compagnon! Ouais, à l'aventure. Tiens, fouillé. D'accord. Une brosse à dents, des chaussettes. Pour poney. Corde. Encrier. Puis c'est quoi tout ce bordel? Je savais bien que ça puait un peu. J'ai rien touché encore. Oh, il y a un coffre là-bas. Bon, à mon avis, ça pue, hein, clairement. Activer, nous. On va faire ça, tiens. Ah. D'accord. Bon, bah, du coup, pourquoi on va activer. Il fait nuit ? On est où ? Ah. C'est fou. Faut que je mette un truc dedans. Énigme. Sigi Marcel, romancier mort trop tôt. Le syndrome de la page blanche n'aura pas suffi à chasser ses idées noires. Ok. Et alors? Un encrier du coup? Ou un parchemin porno peut-être? Non mais ça devait être la page blanche, ça devait être un écrivain, donc l'encrier à sec. Donné. Ok, visiblement c'est ça. Sigi Yozar, le trancheur de tête. Sa dernière chasse ne sera soldée par un, se sera soldée par un match nul. Dernière chasse. Une brosse à dents. Chaussette poney. Une tête d'ours empaillée.
Ouais. Ok. Sigi Mirila. Abonné au bronze. Systématiquement troisième dans tous les concours de beauté équestre. Équestre. Alors attendez, il y a un truc pour coiffer les panneaux. Non, chaussettes de chaussettes pour panneaux. Voilà. Ok. Sigi Jap. Un taxidermiste. Merde. Il y avait pas une tête d'ours empaillé. Fuck. Ah mais non, tiens, c'est un corbeau, non? Ouais, cool. C'est ça qu'il faut lui donner, non? Voilà. Il n'y en avait pas aussi de l'autre côté? Sigi Ming. Artiste incompris, son amour pour les n'aura eu d'égal que sa haine pour les autres récipients. S'il a toute faim, même ses proches n'avaient toujours pas saisi la différence. Alors un vase. Sigi Grumpf, les dentés. Ok. Il récupère les dents de ses adversaires pour son propre compte. Un grand ami de la Fédération des dentistes. Il prend un truc. Ah, une brosse à dents. Voilà. Bah attends, mais il va me manquer un objet. Sigi Arsène, gentleman cambrioleur. Il avait toujours le mot pour rire et la langue bien pendue. La nuque le fut aussi. Ah bah c'est une corde. J'en ai deux de toute façon. Donné. Et l'autre, bah ça doit être la brosse à dents, c'est ça, non? Forcément, il reste. Ah non, le parchemin porno. Sigi Hub. Ok. Sa seule peur était de s'ennuyer auprès de son après son trépas, ses amis déposèrent. Chacun a un cadeau hein, pour s'occuper dans l'au-delà. Donc il y a un parchemin porno. Oh! Visiblement. D'accord. D'accord. Ta-na-na-na! Trump n'aime pas les énigmes. Il préfère les mandales. Yeah! Et si je m'étais trompé? Ça aurait peut-être rien fait. Oh! Le bras! Ah! Des bras de troll suturés! Assez fort pour manier des objets pointus et attraper des elfes. Oh, je l'ai! Attention! La curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Oh oui, putain, le troisième livre, Chasse aux vampires, une amulette. Oh, l'amulette, elle est forte. Putain, deux d'adresse, deux de constitution et deux de charisme. C'est plutôt fort. Oh la vache, ça guérit tout. Ça guérit tous les états et ça donne 25 de soins. Oh putain, bien. Putain, je suis refait là. Bon. Bah c'est cool. Nickel. Putain, je suis refait là. Que je mette la carte à jour. Bah du coup on va aller dans l'autre sens. Et puis après je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, on aura fait un bon épisode là. À tourner en rond à rien foutre pour finalement trouver ce qu'on cherchait. Alors attendez, c'est par là. C'est là hein. Ils font des cartes sur du granit. Ouais. C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps. Oh fuck. D'après ma perception astrale, nous sommes au bon endroit. Dans ce cas, où se trouve le commanditaire? Il y a erreur. La magie ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas de ma faute si le capitaine de la compagnie ne sait pas lire une carte. J'ai fourni les bonnes coordonnées. Mmh. Ce n'est pas la première fois qu'un sort échoue.
Déjà le mois dernier contre cette momie de Merek Bab. Quoi? Me balancer ça maintenant? J'avais été victime d'une attaque d'entropie. C'était quand même un échec magique. Tout ça parce qu'on avait pris à droite dans le tombeau. Parce que le capitaine ne sait pas lire une carte. N'empêche que là, nous avons été téléportés au mauvais endroit. Il a raison, la magie c'est tout moisi. C'est malin. Allons bon, qui êtes-vous? Des aventuriers. Oh la vache, c'est des marches. Des confrères. Et on a des confrères. Une magicienne complètement naze. Mais tu vas la boucler, oui. Encore des rustres qui ne comprennent rien. Oh, ils sont tellement nombreux à l'aide. Ah là là, ne m'en parlez pas. Et vous êtes? Professeur Von Hassling. Von Hassling. Et voici le capitaine Dietrich Kane. Et nous aussi, on chasse les vampires. De l'enfer, qui ne sait pas lire une carte. Ça va pas recommencer, non? Allez, c'est intéressant. Et vous venez pour... Pour détruire un vampire. Une certaine Carmilla. Eliphas, le sorcier, nous a écrit pour nous engager. Zut, il faut pas qu'ils s'aperçoivent qu'on a pris leur identité. Pourquoi? Ah merde. Ah merde, c'est eux. Quoi? Vous vous faites passer pour nous auprès d'Eliphas? Mais non, pas du tout, je... Eliphas, c'est le sorcier, celui qui nous a engagés. Mais boucle-la! Mais comment avez-vous osé? C'est un malentendu, il n'a rien compris. Ah si, pour une fois j'ai écouté. Des crétins. Nous sommes face à des crétins. Tout ça parce que nous sommes perdus. Hé, restez polis, hein. Bientôt, ça va être de ma faute. Et manifestement, Eliphas n'est pas loin. En fait, il est juste au-dessus. Vous êtes arrivés 5 mètres en dessous de lui. Ah, hé, je savais bien qu'on était au mauvais endroit, amatrice. Mais j'en ai assez de ce chef de mauvaise foi à l'orgueil mal placé. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Bon, je crois qu'on va vous laisser, hein. Ouais. Assez. Massacrons ces imbéciles. Ah, fuck. On règle fuck le c'est la non à l'assaut. Assaut. Bourrez-le. Mais elle va où, elle? Oh putain, le combat de ouf, ça va encore durer 2 heures. Est-ce qu'on se le fait dans cette vidéo? Oh la vache, ils ont tellement... Ah, et l'autre, il a 700 PV, au secours. Oh, il a tellement de résistance, il a 15 de prot. Le mec, il a 30% de parade. Mais c'est quoi ces stats? Oh, mais c'est quoi ces stats? Ils sont même pas regroupés, je peux même pas lancer un sort. Toi, tu peux te mettre là? Ok, ça c'est cool. Ouais, bon, bah ça me semble bien, hein, cette configuration de... Hein? Ah, lui, faut le péter tout de suite, quoi. Et elle aussi, d'ailleurs. Elle, à mon avis... Putain, elle a tellement pas de résistance physique. On pourrait tellement la stun. Après, les autres, ils ont des résistances, quand même... Ok, c'est parti. On va pas attendre plus longtemps, parce que sinon, ça va durer 2 heures. Certainement que ça va durer 2 heures. Parade. Oh, parade, en plus. Vraiment parade. T'as des résistances, oui, effectivement. Et je peux peut-être déjà y en coller une petite. Grenade. Boum. Allez, les deux sont enflammés déjà. Donc ça, c'est très, très, très cool. Je vais rester en arrière. Je suis bien là. Je suis bien là. Par contre, ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas en donner pas mal à lui. Voilà. Et je vais me cacher un peu. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, putain. Lance-canet. C'est... What the fuck? Mais waouh!
Putain. Eh ben laissez-moi. Ouais, c'est ça, on bat les couilles. Mais what? D'accord. Oh, j'ai pris tellement cher. Oh, c'est une blague. Je brûle, à l'aide. Ouais, bah, deux secondes. Comme toujours. Ouais, bah, ouais. Toga, voilà. Ouais, tous les deux, ils sont stun, ça, c'est très cool. Et puis, à l'aide. Ok, qu'est-ce qu'elle va me faire, elle? Putain, elle a trois trucs, tu te fous de moi. Ouais, voilà, c'est ça, va là-bas. What? Oh, l'aide, ce combat va durer 2 heures. Zapivili. Et l'autre, elle invoque. Putain, l'ennemi est furtif, j'y crois pas. À l'aide. Ça va être compliqué, je sens. Et j'ai pas sauvegardé. À l'aide. Massacrons-les. Ouais, bah massacrons-les, 2 secondes. Hein. Oh la putasse. Faudrait que j'arrive jusqu'à elle pour lui dézinguer le cul peut-être. Non. Ah là là. Ça me fait aller loin cette merde. Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Bon bah, j'ai pas trop le choix. Salut. Ok. J'ai pas trop le choix. Ah, enfin des adversaires faciles. À me casser enfin, le duel. Esquive. Putain. Et je vais être enflammé de partout. Oh putain, ils sont tous furtifs, les enfoirés. Putain, j'espère qu'ils ont pas de vie, j'ai pas regardé. Oh putain. Casse-couille lui, hein. Il est un peu casse-couille, lui. Non, mais parade, hein. Quelle masse grouillante et bruyante! Putain, 2 tours encore de burn. Bah, j'ai pas trop le choix, hein, les gars. Je vais rester là. Aïe. Qui a besoin de soins? Personne pour l'instant. Pour l'instant, personne. Je vais le booster, lui. Les gobelins, on peut s'essuyer les pieds dessus. Ok. Non. Non, mon gars. Des peaux vertes. On en putain, fera des tambours. Résistance, la résistance qui fait chier. Aïe. Putain, mais il fait mal lui. Putain, il peut m'envoyer tellement loin en vrai. Boum, ça fait mal ça, hein. Voilà, donc lui il va être furtif, enfoiré. Piouf.
Ok. 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 Putain, lui, il fait chier. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est me mettre dans la mêlée. Genre, je peux venir ici. Et faire ça. Quelque chose pour vous aider. Voilà. Ça peut être très rentable. Putain, 30. Bah, méchant gobelin. J'ai pas trop le choix que d'essayer de le givre. Ouais, ça marche, putain. Bien joué. Enfin, bien joué, je sais pas, mais... au moins, je vais me mettre un petit peu au front. Donc là, c'est pas une bonne idée de se mettre là. Ouais, au pire, je vais rester là. Ok. Toi, faudrait que tu meurs, en fait. Qu'est-ce que je peux faire ? Le problème du gobelin, c'est qu'il est toujours au pluriel. Toi, faut que tu meurs. Tiens ! Petite claquasse. Putain, les autres furtifs, ils vont me faire tellement mal. Oh la vache ! Ouah ! Quoi ? Oh, il fait mal, eh ! Ah ouais, non mais d'accord, t'as qu'à attaquer 12 fois aussi pendant que tu y es, je te dirai rien. Toi, si tu pouvais rester là-bas, ça m'arrangerait. Putain, ouais, parade. Même pas mal. Parade partielle, mais parade quand même. Ok. Oh là, attends. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Alors, toi, si tu pouvais ne rien faire, ça m'arrangerait. Oh, enfoiré. Au. Putain, je brûle déjà suffisamment, bordel. Voilà, vache. Ah ouais, non mais ok, putain, à l'aide. Ça va être compliqué cette game. Ça va être très 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 compliqué. Parade. Même pas en rêve. Oh, bien joué ça. J'ai envie de te dire bien joué, Captain. Allez! Putain, il a résiste. Il résiste, quoi, putain, foiré. Ah! Putain, j'y crois pas. J'y crois pas, je vais en chier, quoi. D'accord. Non! Bah je crois que j'ai pas trop le choix que d'y en mettre plein le cul, non? Je peux pas? Ok. Miam miam gobo. Ouais, miam miam, je sais pas quoi, hein, comme tu veux. Ça c'est cool. Allez. Ah, c'est con, hein. Bien fait pour ta gueule, toi. Aïe, oh la vache. Un bouche de l'autre. Forcément, résistance. Quel enfoiré. Il brûle quand même. C'est bien, bien fait pour ta gueule. Bâtard.
Lui, il soigne le brûlé. Je vais peut-être soigner l'ogre, du sac coup. Sac à fiente de chèvre. D'accord. Bon. Ouais, j'aurais préféré que ça fasse plus de dégâts, putain, enfoiré. Putain, il me prend dans le dos. Comment ça, je suis en berserk avec le... Quoi? Je peux le... Si je pouvais lui faire un petit poison. Oh oui, poison plus flamme. Ok. Dans le dos. Aïe, ça commence à piquer là, putain. Aïe aïe aïe. Mais d'où je suis en berserk avec lui, quoi? D'où je suis en berserk avec lui? Étrange. Putain, il a pas beaucoup de résistance physique. Lui, il en a beaucoup, justement. Mes cheveux! Oh, mes beaux cheveux! Tiens! Fais dodo, toi. Ça commence à piquer, là. Est-ce que je peux me déplacer sans que je prenne une attaque d'opportunité? Alors, visiblement, je peux. Allez, mon gros. Serre les dents. Serre les dents, mon gros. Voilà. Aïe! Putain, ça fait mal. Je peux essayer de la frayeur. Je brûle! À moi, ma compagnie! Ok. Et là, les attaques d'opportunité, ça va faire mal. Boum! Allez! Ça, c'était très efficace, je pense. Très efficace. Du coup, je vais me déplacer, je vais me foutre derrière. Attends, elle va prendre cher, putain. Pourquoi? Elle vient chercher le dos, bâtard. Tiens, esquive, bien fait pour ta gueule. Lui, il a pris cher. Hein. Oh la vache! Bien fait pour sa gueule. En purée, les gobelins! Putain, excellent. Tiens, lui il a pris cher, mais il est chiant parce qu'il va taper. Esquive, bien joué. Lui il est relou. Ouais, bah. Pff. Ah, il fait mal l'enfoiré. Il me met en berserk. Ok. 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 Ok, toi là-bas. Oh, l'esquive, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Elle va me faire chier, putain. Si elle pouvait taper sur mon... Non, pas lui. Oh là, le coup critique de ouf. Oh. Ouais, bah vas-y, t'as qu'à me griller aussi pendant que t'y es. Putain, je l'avais pas vu, elle. Même pas mal. Aïe. Oh, les relous. Putain, tout le monde est quasiment en PLS. Comment je vais faire? Oh, c'est la PLS totale. Dans tes rêves. Steve. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Waouh. Putain. Cinquante.
Ouais, c'est pas ouf, hein. Putain. C'est pas ouf. Oh, elle est en PLS de chez PLS. À mon avis, il faut que je la soigne. J'ai pas trop le choix. Ils sont trop moches. Bouh. Ok. Faudrait que je commence à en tuer une paire là parce que ça commence à piquer. Non. Putain, est-ce que je peux le tuer lui? Ah, oh, ça le tuera pas. Non, ça le tuera pas. Un gobelin, ça va? 100 gobelins, sacré. Ok, donc au prochain, il est mort. Putain, les gobelins, ça commence à piquer, hein, quand même. Bon, lui, il est en PLS, mais il se relève. Tiens. Attaque d'opportunité. Je sais pas où est-ce qu'il va. Ok. Ah là, putain, je suis étourdi. Ne jamais me tourner le dos. Tiens, cadeau. Ah, pas mal. Ah, l'IA joue bien, hein, mine de rien. Y'a pas à chier. Hein. Y'a pas à chier, l'IA joue bien. Faut que je garde ma magicienne en vie. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Et lui aussi, surtout. Eh ben, je vais faire un tour de... Bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ouais, je sais que c'est pas bon, mais... Là, en fait, faut que je fasse un tour de soins parce que ça pue, là. Esquive. Lui, il meurt. Deux décès. Foiré. Lui, est-ce qu'il va faire quelque chose? Ouais, bordel. Veux pas me la... Tiens, échec critique bien fait pour ta gueule. Ah, oh, il s'enflamme tout seul comme un grand. J'adore. Ça, c'est très cool. 115, ça paraît pas beaucoup, mais ça peut aider. C'est elle qui va me casser les couilles. Elle, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Je me faufile. Oh, j'ai bien fait d'esquiver ça. Esquive. Ah, non, putain. Je suis mort. Bien joué. Ah, il va me finir. À part si j'esquive. Aïe, aïe, aïe. Non. Bien joué. Aïe. Bien joué, mon jeune ami. Salut. Ah, oh, l'outil parade. J'y crois pas. Il parade sur ça, je suis dégoûté. Putain. Ça commence à flammer beaucoup, hein. Ah, il meurt pas. Esquivez. Il meurt pas, je suis deg. Oh, la vitesse, putain. J'ai sprinté là? Non. Non, c'est ça que je voulais faire. Arrête de faire des conneries, toi.
Elle est casse-couille, elle. Bon, lui, il va mourir. Tiens, prends ça, toi. Par les babouches de Xor, à l'aide! Par les babouches de Xor, bordel. Putain, il est... J'ai tout mis là et ah putain. Putain, c'est compliqué. C'est très compliqué. Esquive. Merci. Aïe. Ouf. Putain, étourdi. Ouais, forcément. Il fait chaud ici. De dos. Ouais, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus incroyable. Ma magicienne qui va y passer. Putain, ils font mal, ces petites merdes. Quoi? Pourquoi il a passé l'autre? Bah tant mieux hein, mais... Ouais, alors toi mon gars, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Ça c'est ultra chiant. Alors ça, ça va pas m'aider. Ah, et puis je suis bien groupé hein. Boom, one shot. Boom, presque one shot. Et avec le feu je suis mort. Alors elle, elle fait pas semblant hein. Ouais, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Alors, en fait, bonjour. Ouais, bon. Ok, toi, t'es mort. Aïe, même pas mal. Tiens, je vais t'insulter un peu, toi. Triste fils d'un bouc incestueux. Triste fils de chien de tes morts. Ouais. Oui. Oui. Ça craint. Je crains. Mais qu'est-ce que... ça craint, je crame. Ok, donc lui il convulse. Aïe 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 aïe. Tiens, toi là-bas. Prends un nain dans la gueule. Tiens, salut. Ouais, bah Bobo, ouais. Putain, la ah, esquive! Ouais, tape sur lui, t'as raison. Aïe! Alors lui, il est casse-couille! Parade! Heureusement, c'était un truc sur le détourdissement, je crois. Ça, ça m'arrange. Mais alors, ça m'arrange, mais genre, ça m'arrange en fait. Toi. Ouh, mieux. Mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. Ok, mieux, mais c'est ah pas non, encore pas ça. La barbe. Putain, c'est pas fou. C'est quand même pas fou. Et donc lui il est mort.
putain, enfoiré. Saloperie, quoi. J'aurais préféré que tu parades ça, putain. Putain, si tu pouvais rester dans ton coin, toi. Mais je brûle. Ah. Enfoiré. Parade. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Putain, les casse-couilles, elle. Oh! Quoi? Oh, putain, saleté. Ouais. On va taper dessus parce que... On va taper dessus et je vais soin parce que là ça pue un peu. J'avais soif. Ouais bah c'est bien. Hein. Allez, petite attaque d'opportunité. Putain. Mais c'est pas possible. Oh, parade. Oh merci. Quoi? Oh, il me tue mon... Foiré, putain, malade. Attention! Attention, ouais. Putain, mais viens là, toi! Ah, je peux plus soigner. Tu casses les couilles, toi, grande. Je peux pas en achever un là. Une brosse à chaussures en flamme. Ta gueule toi. Putain de nom de Dieu. Revis par pitié. Serre les dents. Putain, c'est pas ouf. Wow, c'est pas ouf du tout. Oh l'enfoiré. Ça pique. Oh l'enfoiré. Ouais, d'accord. À l'aide, au secours. Parade. Ok. Oh la vache. Non, j'ai sprinté, putain. Oh non. Putain. Oh, j'ai sprinté, le con. Putain, t'es dos, toi. Tiens. Oh, je peux pas y reclaquer une. Oh. Non, putain. Ok, d'accord. Ouais, piouf, ouais, putain. Ah, ils mettent 2 heures à jouer, ils mettent 2 heures à jouer, ces enfoirés. Je vais faire un épisode de 2 heures, je vais perdre. Oh, j'y crois pas, putain. Tiens, petite attaque d'opportunité.
pièces d'or là. Ah non. Je vois des pièces d'or. Ah non. Putain. À l'aide. À l'aide. Courage. Ok, courage, fuyons, comme dirait l'autre. Ça va être un peu dur, il me reste pas beaucoup de persos en fait. Je dirais même qu'il m'en reste zéro, quoi. Ok, donc lui, il meurt de vieillesse. D'accord. Et d'où il vient jusqu'ici, quoi? C'est complètement abusé, quoi. Ah bah oui, hein. Putain, mais c'est horrible, horrible. Ouais, esquive, ouais. Bon, bah, je crois que c'est mort, hein. Vas-y, parade. Encore parade. Non, aïe. Même pas mal, mais je suis mort, putain. Waouh, waouh. Ok. Bon bah les petits amis, je suis désolé d'avoir fait un épisode aussi long. Putain, je suis tombé sur eux, j'étais pas trop préparé. La prochaine fois, bah du coup, on essaiera de se refaire peut-être ce combat-là. Bah même pas peut-être, c'est sûrement ce combat-là. Il est dur sans être dur. En fait, j'étais pas préparé, je savais pas qu'il faisait autant d'enflammés. Donc je sais maintenant qu'il faut que je focus... Van Halsling et l'autre. Bon bah c'est tout les amis, je vais pas faire plus longtemps. Un peu dégoûté mais tant pis. Bah merci en tout cas d'avoir suivi l'épisode qui est fort long pour du coup. Mettez un petit like, un petit commentaire et un partage pour le soutien, hein. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis bah portez-vous bien. Allez, salut !